parlant directement, comme je le ressens, c'est plus facile pour moi. Et de ne pas chercher à plaire, à faire quelque chose pour gagner de la valeur. Je ne cherche pas de valeur, je ne cherche rien. Je veux juste être présent à un petit moment là avec toi pour partager ce qu'il y a au fond du cœur. Alors, ce qu'il y a au fond du cœur, c'est ce que nous vivons tous en fait sur cette planète. Nous avons hérité de tout ce que la race humaine nous a donné en fait. Et tout ce que nous avons hérité, nous le restituons tous les jours. Nos quotidiens sont remplis de toutes nos mémoires d'avant, de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, de ce que nous avons vécu, les conclusions que nous avons faites. Ces conclusions deviennent ce qu'on appelle l'entité « moi » et on agit à travers toutes ces conclusions que nous sommes devenus, nous avons acquéries au fil du temps, au fil des années, au fil des décennies, au fil des millions d'années d'existence. Et c'est avec ça que nous vivons l'existence. Donc, toute cette mémoire ne peut pas être quelque chose qui va au-delà de sa limite. Elle est limitée à ce que nous avons connu. Et ce connu, en fait, a des frontières. Et ces frontières, ce sont nos peurs. Nos peurs qui nous empêchent d'explorer ce qui est inconnu. Donc nous restons ignorants en restant dans ce que nous avons connu, en se gardant limités dans cette petite sécurité que nous avons. On se garde protégés de ce que nous ne savons pas. Parce qu'il y a justement cette angoisse qui nous empêche d'aller voir au-delà de ce que nous avons. Donc on s'accroche à tout ce que nous avons, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous sommes devenus, ce que ce soi que nous sommes, c'est le résultat de décennies d'amassement d'idées, de conclusions, d'expériences et tout ça. Et c'est ça qui parle à travers soi quand on agit dans ce monde. C'est cette mémoire qui est en fait acteur de la vie que nous avons dans nos sociétés. Et tu peux comprendre que la vie que nous avons dans nos sociétés n'est pas si rose que ça. Nous avons fait du monde quelque chose de laid. Et en fait, comme nous le faisons dans la compulsion, on n'admet pas que ce soit le résultat de mes actions. C'est le résultat de l'autre. Donc on renie tout ça. Et voilà notre situation. Nous sommes dans ce monde avec tout un paquet de mémoires et nous agissons à travers ces mémoires. Et c'est une mémoire, vous savez, c'est de la répétition, ça se répète tout le temps. Ça n'est pas quelque chose de neuf. Alors que la vie, en dehors de cette mémoire, la vie qui a déjà fait cette mémoire, la vie qui a été vécue est devenue mémoire. Mais la vie dans l'instant présent n'est pas une mémoire. Elle est là, elle est présente et elle se meut d'instant en instant. Et tout s'improvise, tout se vit. Et celui qui vit ces moments d'improvisation est créatif. Il n'est plus dans sa mémoire. Donc, il faut bien comprendre que ce que nous sommes limite nos capacités d'être vrai, d'être authentique et de pouvoir explorer la relation, l'univers, les choses autour de nous avec un esprit innocent. Parce que nous voulons garder les choses qui nous sont connues, alors nous ne pouvons pas être innocents. L'innocent est celui qui ne sait rien, qui peut s'avancer dans un monde à tâtons. Et comme il avance à tâtons, il est très prudent, il apprend d'instant en instant. Et c'est ça, apprendre, sortir de l'ignorance. C'est
apprendre, toujours apprendre, et jamais être dans la réitération de ce qui a été connu, tu vois. Et bien sûr, dans ce monde, c'est la chose qui est difficile à faire, parce que nous avons, depuis des décennies d'existence, nous avons appris à faire comme ça, à répéter, à copier, à l'habitude, les trains-trains, les mœurs, les traditions. Nous répétons tout ce que nous avons fait. Et tout ça, ça devient un monde monotone. Et nous nous installons dans ces habitudes, et ces habitudes deviennent monotones. Alors, on cherche un petit peu de gaieté dans ce monde où il n'y en a plus, puisque nous sommes la tête dans le guidon, nous sommes machinales, compulsives, et nous ne nous engageons pas sur la voie qui est hors des sentiers battus. C'est une voie, pour sortir de l'inconnu, qui demande beaucoup d'attention à ses comportements, parce que nos comportements nous emprisonnent. Et sortir de ces comportements, ça veut dire sortir de ces habitudes et de ces trains-trains. Ça veut dire aussi de voir qu'est-ce qui se passe au moment où on est dans ces habitudes, de s'observer et de voir que nous sommes en train de dormir. Nous dormons pratiquement tout le temps. Nous ne sommes jamais émerveillés, réveillés, éveillés par la beauté de cette vie. Nous sommes plutôt endormis par nos tracasseries. Et tout ça fait de nous des êtres humains qui avons envie de trouver quelque chose de sublime. Et cette envie de trouver quelque chose de sublime est quelque chose qui vient aussi de l'ego. Parce que celui qui veut trouver, c'est celui qui est malheureux. Et celui qui est malheureux, il doit disparaître pour que puisse être la beauté de la vie. Donc, laissez la beauté de la vie être sans que tu essaies de faire en sorte qu'elle vienne, puisqu'elle est déjà là. C'est toi, quand tu es dépouillé de tout ton conditionnement, de tout ce que tu connais, de tout ce que tu aimerais avoir. Donc, il faut que tu meures à ça. Il faut que tu laisses ça derrière toi pour pouvoir accueillir l'inconnu et apprendre d'instant en instant, être émerveillé. Et c'est ça qui fait que la vie, elle a tout son sens. Autrement, on va créer du sens à la vie que nous avons dans nos petites habitudes et nos trains-trains. Et ce sens n'a aucun sens, puisque c'est des sens que nous créons pour pouvoir nous égayer. Et cet égayement, c'est juste le désir d'être heureux. Et le désir d'être heureux, c'est que dans nos têtes. Il n'y a pas de bonheur dans ces situations-là. Avec le désir, il n'y en a pas. Il n'y a que déception. La vie, elle est quand on abandonne tout ça et quand on accueille tout ce qui vient.